Ils sont près de 500 athlètes venus de toute la France pour participer à une rencontre nationale multisport au CDFAS d'Aubonne. Des athlètes qui ont tous un point commun, ils ont une déficience mentale. Un handicap qui ne les empêche pas de se donner à fond pendant les épreuves. Après une cérémonie d'ouverture digne des Jeux Olympiques, place au sport. L'idée, c'est de donner un nouveau regard sur l'handicap mental au travers l'insertion et notamment l'insertion à travers le sport. Tout athlète peut faire de l'athlétisme, quel que soit son niveau de préparation physique. Le football est un peu plus technique, le judo est aussi un peu plus technique. Donc l'idée vraiment d'avoir de l'athlétisme, c'est que toute personne peut participer parce que vous pouvez courir 60 mètres, vous pouvez même marcher si vous voulez. Cette rencontre multisport créée il y a 20 ans est un long travail d'organisation avec tous les établissements. Les athlètes s'entraînent spécialement pour cette journée avec des épreuves comme le 60 mètres, le saut en longueur, le foot ou le judo. Chaque participant ne perd pas de vue l'enjeu principal. C'est important. On s'entraîne beaucoup, on fait des entraînements le jeudi soir aussi. Ça nous permet de bien découvrir, découvrir une autre équipe qu'on n'a jamais joué et puis jouer avec eux. Cette rencontre nationale a également permis à tous de mieux faire connaître leur handicap et de montrer qu'en matière de sport, il n'existe aucune barrière.